Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un cadeau très spécial et aujourd'hui on va découvrir le cadeau que The Pokémon Company m'a offert pour Noël. C'est probablement le plus beau cadeau qu'on m'ait offert pour Noël, il est juste trop mignon. Regardez-moi cette petite boîte, beaucoup trop cute, avec un ruban Pokémon de qualité, avec des Pikachu et des Pokéballs. J'aime trop, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il me l'a envoyé juste avant Noël, je l'ai reçu genre le 23 décembre. Donc voilà, je déballe le ruban, j'adore faire ça. Je peux le faire qu'une fois, hein. Si je foire, après je suis foutue. Donc voilà, bon après je peux toujours remettre le ruban, vous me direz, mais je ne sais pas faire ça, c'est trop compliqué. Donc voilà, je garde ce beau ruban, je suis sûre qu'il va me resservir, surtout qu'il est vraiment canon. Et ensuite on a une boîte noire comme ceci qui est clairement accrochée à mes cheveux, c'est très électrique. Et ensuite, ta-na-na-na, oula, oula, une petite lettre et plein, il y a énormément de boosters à l'intérieur, hein, c'est abusé, ok. Regardez-moi ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Plein de choses. Donc déjà, vous voyez ici une tasse et on a plein de boosters. Je pense que vous ne voyez pas forcément le nombre de boosters. Je vais vous montrer plus précisément ce qu'il y a. Mais d'abord, j'ai une petite lettre. On va ouvrir la petite lettre. En tout cas, merci beaucoup à Pokémon et à Reset qui m'ont envoyé ce petit colis pour Noël. J'adore. J'adore recevoir des cadeaux comme ça. Donc j'ai reçu déjà une carte de Pikachu avec écrit « Bonne fête ». On adore. L'équipe PR et The Pokémon Company vous souhaite d'excellentes fin d'année de la part de Elodie et Clément. Merci beaucoup. En plus, Elodie s'appelle Elodie comme moi. Et Clément, avec qui je suis partie en voyage. Voilà, deux personnes vraiment très chouettes avec qui bah, j'ai l'habitude de travailler hein, pour tout ce qui est Pokémon. Donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai reçu cette petite tasse trop cute. Regardez-moi ça, c'est une tasse, un mug de Pikachu avec un petit bonnet de Père Noël. Là, il a l'œil qui est cligné et là aussi, finalement, hein, voilà. On va pas se mentir, c'est exactement la même chose. Mais très mignon. J'adore ce petit mug qui s'ajoute à ma collection de mugs. Et ensuite, beaucoup de boosters. Beaucoup de boosters, les gars. Énormément de boosters, donc voilà, la boîte est vide, hop, il reste que du petit, des petits papiers, et on a beaucoup de boosters, wow, tout ça à ouvrir aujourd'hui, il y a combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 boosters, on a 4 célébrations, est-ce qu'on aura Dracaufeu dans les 4 célébrations? Je l'espère. On a aussi du point de fusion, on a du style de combat, et pour terminer, on a du évolution céleste. Donc voilà, ça fait énormément de choses à ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. On va passer tout de suite à l'ouverture, on s'ouvre tout dans la même vidéo, hein, finalement, vu que c'est un cadeau de Noël, un gros cadeau pour vous comme pour moi, du coup c'est parti. Du coup c'est parti pour l'ouverture des boosters style de combat. On commence par style de combat, voilà, c'est très stratégique comment j'ai choisi d'ouvrir mes boosters aujourd'hui. On va d'abord faire style de combat, puis point de fusion. Ensuite, évolution céleste, car dedans, il y a quand même un Dracolos alternatif qui est ultra stylé. Et on terminera avec les boosters célébration et peut-être un futur Dracaufeu pour ma collection. On commence tout de suite avec un Osselet. Cornèbre, Gruikui, Monorpal, Electek, une énergie acier, Colomar, Dimoclès, Cacturne. Un Corbos, c'est une peu commune reverse. Et la première carte, il s'agit d'une carte VMAX Full Art et il s'agit de Chifourse. J'ai tellement galéré, j'ai failli dire Fifourse. Pas du tout, Chifourse, 1000 points. VMAX, très stylée, je ne l'avais pas, elle est magnifique. C'est une superbe carte Full Art. Et on commence super bien cette ouverture offerte par Pokémon, ça fait super plaisir. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Attendez, je vous la remontre de plus près. Car elle est vraiment très belle. Chifourse 1000 points. VMAX. Wow. Donc j'ai ma copine Tiquick qui m'a dit que quand même les VMAX... Je galère à chaque fois avec les pochettes. Mais j'arrive vraiment pas. Hein. C'est trop dur ces pochettes mat. Elle m'a dit que les VMAX Full Art étaient moins rares que les Full Art tout court. Donc voilà, on est sur une rareté, je dirais, entre la carte V et la carte Full Art. Donc ça fait quand même plaisir, c'est quand même une très belle carte qu'on n'avait pas et qui s'ajoute à la collection.
deux cartes ultra rares. On est reparti avec le prochain booster style de combat. Écoutez, si on peut avoir des petites ultra rares à tous les boosters, on est chaud. Hein. On est là, on est présent, il n'y a pas de souci. Hop, c'est reparti. Nous avons un petit Osselet, Cornèbre, Gruikui, un Monorpal, Electek, une énergie haut, Cacturne, Mustard, Sarah, un Scorplan en Common Reverse et un Monsieur Glaquette de Galar en rare. Ok. Assez basique. Pas très intéressant. Je pensais qu'on avait 4 boosters style de combat, mais finalement, nous en avons 5. Donc ça fait plaisir, c'est plus de possibilités d'avoir de belles cartes. Nous avons Kung Fuin, Voltutu, Shaglam, Écrapins, Lépidonie, une énergie obscure, Boostiflore, Wimessire, Jeanfleuret et Jeantarge, Luxray en reverse. Et nous avons, oh, un très joli Démolos holographique. Magnifique, j'adore. J'adore les holos. Hein. Les holos, sincèrement, en ce moment, j'ai l'impression que c'est plus rare que les ultra rares. Tellement on n'en a pas énormément. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des belles cartes comme ça. En fait, on a 6 styles de combat. C'est exactement ce que je savais. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis emballée. Je pensais qu'on en avait 4. En fait, on a 6 styles de combat. C'est les boosters qu'on a le plus, les styles de combat. C'est pas l'extension que je préfère, mais elle est sympa quand même. Nous avons un Kung Fuin, Voltutu, Shaglam, Écrapince, Lépidonie, une énergie plante, Jeanfleuret, Jeantarge, Colmar, Dimoclès, un Spectra, c'est tout à fait une dresseuse, hein, c'est vraiment pas un Pokémon. Spectra, un peu comme une reverse, et nous avons un Floramantis en rare. Ok. Ok, ok, on passe au prochain booster avec Chifours. Le Chifours d'ailleurs qu'on a eu en ultra cette fois-ci, on a en illustration de booster. Et on est reparti. Nous avons un petit Ramolos, Voltutu, Cornèbre, Tritox, Chétiflore, une énergie électrique, cœur de sortie, Tour de l'eau, Luxio, un Roitiflamme, c'est une rare reverse, très 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 belle carte, j'aime beaucoup. Et nous avons un Hexadron en rare. Ok, je galère. Ok, bon. Sixième et dernier booster style de combat. J'avais dit rien de fou, mais on a quand même eu une très très belle VMAX. Après, moi, ce qui me fait kiffer de fou, c'est les Full Art et les Secrets. Donc, j'espère avoir une petite carte sympa comme ça. Nous avons un Ramolos de Galar, Voltutu, Cornèbre, Tritox, Chétiflore, une énergie combat, Luxio, Boostiflore, Wimessire, un Dentikris, c'est une peu commune reverse. Ok. Qui est fan de Dentikris ? Personne. Et nous avons un Colossinge en rare. Allez, on enchaîne tout de suite avec les boosters Point Fusion. Point Fusion qui est la dernière extension qui est sortie à ce jour, qui est quand même très stylée. Et j'ai un très très beau fond d'ailleurs de Point Fusion juste là que Pokémon m'a offert et qui fait plaisir. Franchement, j'ai un peu galéré à le porter dans le métro pour tout vous avouer, mais ça fait son petit effet donc on est content. On est reparti avec un Minisange, Darumarune Galar, Gripatte, un Nounourson, énergie combat, récepteur croisé, passe de combat VIP, un Gravalanche. En reverse, nous avons un Scorplan, c'est une commune reverse. Et nous avons un Pyrobut V en rare. Je ne sais plus du tout si je l'avais ou pas, ce Pyrobut V. J'en ai aucune idée parce que ils ont ressorti du coup les 3 starters dans cette extension. Et je ne sais plus si je l'ai ou pas. Je sais plus. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique et j'adore Pyrobut. Dans tous les cas, on le met sous pochette. C'est la base. Hop. Il faut le protéger. Allez, prochain booster, point de fusion. Let's go avec le Mew qu'on a dans le fond d'ailleurs de la vidéo. C'est parti. Bon, dans cette série, on veut clairement le Mentali Alternative qui est exceptionnel. C'est la carte à avoir. Elle est incroyable. Procellum, Ronflex, Frissoni, Fantirm, Makuta, une énergie plante, Feuilloutant, passe de combat VIP, Gravalanche, un Miaouss en commune reverse et un Serpang en rare. Qui est pas ouf, mais j'aime bien l'illustration. Je suis pas fan du Pokémon Serpang, mais l'illustration est vraiment très sympathique. Allez, on est reparti avec Ectoplasma, qui est l'illustration préférée de pas mal de monde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, toujours. Et nous avons un Kelocroc. Baligno, Trousselin, Miamiasme, Kaïminus, une énergie feu, Chelours, Skatepark, un Leucpin. Ensuite, Meltan en commune reverse. Ok. J'aime beaucoup l'illustration aussi. Et un Luxray en rare. Rien de fou pour le moment. Après,
J'ai l'impression d'être une éternelle insatisfaite, parce que là, on a quand même deux ultra rares, on est quand même à un peu moins de la moitié de l'ouverture, et c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie d'avoir les cartes qui me titillent, les cartes qui me plaisent à fond. Kellocroc, Vosturno, Miaous, Araquah, Onyx, une énergie psy, je galère à chaque fois, Chelours, Skatepark, Lockpin. En reverse, un petit Caninos très très mignon, c'est une commune reverse, et un Corvaeus en rare. Ok. On passe tout de suite au booster Évolution Céleste, et qui dit Évolution Céleste dit peut-être un jour mon Dracolos Alternative. J'ai pas trop regardé combien il valait sur les réseaux de Dracolos Alternative, enfin sur eBay, surtout sur Vinted et tout. Faudrait que je check, mais je pense que c'est au moins 50-60 euros. Et c'est cher, et mon but est d'avoir toutes les cartes de Dracolos, donc c'est important. Bagiguan, Barpo, Tigno, Parcool, Chlorobule, une énergie feu, Diamat, résolution d'Armalis, d'Amaryllis, je bug à chaque fois sur cette meuf, Copieuse, Tentacruel en peu commune reverse, et nous avons un Florges en holographie. Très très jolie carte. Très 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 jolie carte. Ah, j'adore les hologrammes. Enfin, je suis pas fan du film holographique qu'on a là sur Épée et Bouclier. Mais j'adore les holos. Je suis quand même plutôt fan du concept. Et puis à l'époque, bah, les holos, c'était quand même des cartes stylées. Surtout, bah, bien entendu, au niveau du set de base, jungle et tout ça. Nous avons un Pikachu, Pitrouille, Furiglon, Nenupio, Emolga, une énergie combat, Rouleau du dragon volant, Crabagar, Gobelet d'échange, un Crabagar le même en peu commune reverse, et un Givrali V-Max. Ça, c'est de la bonne pioche, les amis. Ça, c'est de la bonne pioche, un Givrali V-Max full art. Ah, ah, je l'attendais. J'attendais quelque chose de beau comme ça. Un Givrali V-Max full art. Magnifique. Magnifique. Ah, c'est une belle carte. C'est une très 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 belle carte. C'est une très très belle carte. On est très contents. C'est tout ce que j'attendais. C'était une belle carte comme ça, quoi. Et je galère toujours autant avec mes pochettes. Mais on va y arriver. Ouais, c'est bon. Ok, ce petit Givrali VMAX. Wow. J'adore. Ah, trop contente. Trop 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 contente. Il nous reste encore deux boosters Évolution Céleste. Et ensuite, on passera aux célébrations. Pour peut-être, je l'espère, une carte extraordinaire. Il n'y a pas que le Dracaufeu. Et en vrai, c'est pas le Dracaufeu qui me tient le plus à cœur. Peut-être qu'on a le Mew Shiny qui me tient le plus à cœur, finalement. C'est parti. Pikachu, Pitrouille, Furiglon, Nenupio, Emolga, une énergie électrique, Béca Glaçon, Rouleau du Dragon volant, Crabagar, Valise de Secours, c'est une peu comme une reverse. Et nous avons un Roublenard en rare. Ok. Une carte assez basique. On aime bien, hein, on aime bien Roublenard, c'est quand même un Pokémon plutôt stylé. Et on part sur le dernier booster, Évolution Céleste. Très très content de mon petit Givrali, hein. Ça fait vraiment plaisir, c'est la carte que j'attendais. Chauve-sourire, Tournicoton, Barpo, Hippopotas. J'ai pris une autre carte en même temps, c'était un Pronchieux, c'est pas grave. Nous avons une énergie plante, Badge élémentaire, Dracos, Rhinolove. Un Ursaring, c'est une peu commune reverse. Et on finira avec Sharpedo en rare pour ce dernier booster Évolution Céleste. On passe tout de suite aux 4 boosters célébration, les amis. 4 boosters célébration. On leur fait un bisou. On y croit. Est-ce qu'on va avoir de la chance dedans? Je l'espère. Car je trouve pas que j'ai été trop chanceuse en célébration. J'ai l'impression d'être la seule personne à ne pas avoir eu de Dracaufeu, finalement. Le Mew étant aussi très compliqué à avoir. On y croit. On laisse un suspense pour les 4 derniers boosters. C'est parti, on commence tout de suite avec un Dialga. Zekrom. Ok, ok. Mega Rayquaza X. Très sympa. Très très belle carte. Je ne crois pas l'avoir déjà eu. Donc ça, c'est une très belle carte. Le Mega Rayquaza X. Magnifique. Je connais très bien cette carte, je l'ai déjà eue par le passé. Enfin, je l'ai eue pas en version 25 ans, bien entendu, mais dans sa vraie version. Je me rappelle plus l'extension, mais je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts de m'en rappeler, c'est ça qui m'embête, mais c'est pas grave. Peu importe. Et nous avons un Pikachu Surfer V. C'est un super booster qu'on a là, avec deux ultra rares.
Pikachu, Surfer V et Mega Rayquaza X dans le même booster. Le Mega Rayquaza, oh là là, ça m'embête parce que je connais super bien cette série. Et c'est une série verte aussi, c'est vert. C'est vert, cette série. Les boosters sont verts. Et j'ai plus le nom. Et pour moi, c'est un truc avec Céleste en plus. Ça me tue. Bon, c'est pas grave. On passe tout de suite au deuxième booster célébration. Le premier étant excellent. Le premier étant vraiment excellent. On passe tout de suite au deuxième. On y croit. On commence tout de suite avec un Cosmog. Palkia. Oh! Oh! j'ai sauté des cartes. J'ai sauté des cartes. Il y avait un Pikachu 2. Déjà en deuxième carte. Trop bizarre. Pikachu 2, donc c'est un Pikachu anniversaire que j'avais déjà eu, mais qui est quand même une carte très sympa. Ensuite, un Mew. Et derrière, un Code Online que j'ai complètement oublié d'enlever. C'est complètement pour ça que j'ai eu l'impression de me faire spoil. Ok, bon bah écoutez, très très bien pour ce petit Pikachu. Je me suis brain toute seule, hein. Clairement, je me suis vraiment brain toute seule. Donc le petit Pikachu qui fait plaisir, que j'ai déjà eu facilement 2-3 fois, je dirais. Donc il n'est pas si rare que ça, mais c'est quand même plus sympathique que d'avoir une simple holographique. Allez, on passe à l'avant-dernier booster, célébration. Nous avons un Cosmog. Dialga. Oh, un très très beau Reshiram. Un Reshiram du coup qui était dans noir et blanc de base. Cette fois-ci dans la version des 25 ans qui est très stylée. Je crois que je l'ai déjà eu. Par contre, j'ai pas encore eu le Zekrom. Donc j'espère l'avoir bientôt. Et derrière, nous avons une Full Art. C'est un très très beau booster encore une fois. Avec recherche professorale en Full Art. Magnifique, magnifique. Très très belle carte. Malheureusement, je ne collectionne plus les dresseurs Full Art, donc je ne suis pas sûre de le garder. Je ne sais pas si je l'ai déjà eu ou pas. Je suis tellement peu renseignée sur ma propre collection. En fait, sincèrement, tous les boosters que j'ouvre, je les ouvre en vidéo. Je n'ouvre pas de boosters hors vidéo. Donc, c'est tout à fait retrouvable dans mes vidéos, hein, les boosters que j'ai ouverts. Mais à chaque fois, je mets un mois au moins à ouvrir les boosters, donc je ne me rappelle plus ce que j'ai eu. Nous avons un Groudon. Xerneas. Oh, Groudon de la team Magma. C'est la dernière, avant-dernière carte qu'on a eue sur le dernier booster. Et la dernière carte, il s'agira de Lunala holographique. Donc voilà, on aura un Groudon en dernière carte pour cette ouverture. Une très très belle ouverture quand même avec plein de belles cartes. Je vous montre ce qu'on a eu quand même, un petit récap. Donc au niveau de célébration, on aura eu un Groudon de la team Magma, recherche professorale, un Reshiram. Pikachu 2, donc un Pikachu anniversaire. Mega Rayquaza X, très belle carte. Pikachu Surfer V, donc quand même 6 belles cartes. 6 belles cartes rien que pour célébration, donc ça fait vraiment plaisir. Et en ce qui concerne les autres boosters, on a eu un Givrali VMAX qui est pour moi la carte très très stylée de cette ouverture. Un Pyrobut V. Et pour terminer, un Chifourse 1000 points VMAX Full Art qui est quand même aussi très 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 stylé. Donc voilà, une très très belle pioche quand même, on va pas se mentir. Surtout pour des boosters clairement cadeaux de la part de Pokémon. Ça fait super plaisir, donc j'espère sincèrement que cette ouverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et dites-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici. Merci encore à Pokémon et à Reset pour ce beau cadeau. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.